À l'époque d'Excellan, au swing même, les instrumentistes improvisaient dans des gammes plutôt simples, c'est-à-dire qu'ils vont improviser sur des gammes pentatoniques ou des arpèges, c'est très, très arpégé. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de transposer, dans le fond, ce que j'ai appris sur le saxophone, sur la clarinette, donc en allant avec les substitutions, etc. Je ne veux pas trop embarquer dans des termes techniques, mais je veux dire qu'il y a moyen d'utiliser un langage plus sophistiqué, même si tu joues de la clarinette. Et il y en a d'ailleurs qui le font. Eddie Daniels est extraordinaire. C'est probablement un des plus grands virtuoses à la clarinette présentement. Mais à part lui, il n'y en a pas tant que ça. Il y a eu Buddy DeFranco aussi qui a fait du bebop et du swing, ça, du jazz. Mais tu joues également, naturellement, quand même beaucoup de saxophone. Oui. Tu as participé à beaucoup de concerts, entre autres avec Guy Nadon, qui était le roi de la batterie. Ça provient d'un film qu'il a fait, ça s'appelle Le roi du drum. C'est un film de M. Giguère, je ne me souviens pas de son prénom, mais c'est ça, c'est un film sur une biographie de Guy Nadon. Tu travailles également, naturellement, dans plusieurs formations. Oui. Bien, j'ai fait quand même pas mal de musique populaire aussi. C'est sûr que musique veut gagner sa vie. Quand j'étais plus jeune, je n'étais pas enseignant. Mm-hmm. Disons que je travaillais plus, que j'essayais de trouver des contrats de toutes sortes de façons. Okay. Bon, j'ai travaillé pour Martin Deschamps aussi, ou des artistes de tout acabit, disons. Mm-hmm. Puis j'ai fait beaucoup de musique latine aussi, avec des Cubains. OK. Donc, est-ce que ça t'influence dans tes compositions? Parce que naturellement, on sait que tu composes également. Oui, définitivement. C'est une musique que je trouve très intéressante. Est-ce que tu te prépares des nouvelles compositions? Oui, je prépare des choses. Je prépare des choses pour le deuxième album. Oui, parce que le premier s'appelait... Claire et Nette. Oui, ça avait quand même tourné beaucoup à Radio-Canada. Oui, bien, il y a une pièce, une interprétation de Petite Claire qui a joué beaucoup à la radio. Il y a le Festival de jazz qui s'en vient. Est-ce que tu vas participer cette année? À chaque année, je participe à deux orchestres d'Excellan, Bourbon Street et l'Esprit de la Nouvelle-Orléans. Donc, c'est deux orchestres... d'Excellent qui se produisent chaque année au festival sur des scènes extérieures. Donc, on a plusieurs concerts. Je vais avoir 13 concerts du 28 juin au 2 juillet pendant le festival. Ça me prend des bonnes babines, comme on dit, pour faire ça. Oui, mais la clarinette, disons, c'est pas un instrument aussi physique que la trompette. La clarinette, avant que tu sois fatigué, là, ça peut prendre du temps. Ah bon? OK. Oui. C'est plus les doigts à ce moment-là qui travaillent. Oui, c'est ça. Puis le saxophone à ce moment-là? J'ai fait quand même beaucoup de conventions, de club date, de mariage, comme on dit dans le milieu. Okay. Tout ça. J'ai quitté ça un petit peu. Là, disons que j'ai l'intention de me concentrer surtout sur la clarinette et le saxophone soprano. Et j'ai un dada dernièrement qui est la clarinette basse. Ah, je ne l'ai pas amené aujourd'hui. Fait que tu prends vraiment les instruments qui sont hors des sentiers battus. Un petit peu, effectivement. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement du saxophone soprano qu'on essaie? Parce que je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est peut-être une clarinette dorée. Ça, c'est un saxophone soprano, mais il y a des saxophones soprano qui sont courbés, comme le saxophone alto, mais en plus petit. OK. Mais la plupart des saxophones soprano sont en long comme ça. Cindy Bechet, évidemment, jouait le saxophone soprano. C'est un instrument, évidemment, qui est tombé dans l'oubli. Accepté que Miles Davis avait rapporté d'Europe un saxophone soprano qui l'a donné à John Coltrane. Okay. Et John Coltrane a ramené le saxophone soprano dans le jazz. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qu'à l'époque. Et c'est étonnant de voir que c'est Miles, dans le fond, qui a vu cet instrument-là, qui a mis ça à Coltrane, puis Coltrane a fait quelque chose d'extraordinaire avec ça. Entre autres, dans le long jeu Giant Steps, avec la pièce My Favorite Thing de Richard Rodgers. Alors, il a vraiment tout cassé avec ça. Ah parlant de tout casser, est-ce que tu veux tout casser pour nous avec une pièce au saxophone soprano? Après avoir parlé de John Coltrane, je ne dirais pas tout casser, je trouve ça serait un petit peu prétentieux, mais je vais essayer de vous jouer quelques notes, oui. Une pièce qui s'appelle Nature Boy de Miles Davis. Joué par Yvan Bello.